Ja, ich darf euch im Namen von Waffen der Kritik herzlich begrüßen. Ein paar Sachen vorneweg. Ihr habt gesehen, Getränke gibt es an der Bar hinten, Preise stehen dort. Der Oscar kümmert sich dann um euch, wenn ihr da seid. Über den Infostand seid ihr schon gestolpert, dass ihr reingekommen seid. Nehmt euch da gerne einen Flyer und Infomaterial, was wir dort haben, mit. Und ja, so zum Thema heute. Wir haben ja in Frankreich eine riesige Massenbewegung zurzeit und es ist eine Sache, über die bürgerliche Medien kaum berichten. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir heute Besuch haben, dass wir aus erster Hand erfahren können, was in Frankreich passiert und gemeinsam diskutieren können, wo die strategischen Perspektiven liegen der Bewegung in Frankreich und vielleicht auch, was wir in Deutschland lernen können von der französischen Linken. Unser Gast heute ist Clémence. Sie ist Lehrerin in Paris, organisiert in der trotzkistischen Fraktion Fritz Internationale. Das ist die internationale Strömung, zu der in Deutschland die RIO gehört. Sie ist in Frankreich organisiert bei der revolutionär-kommunistischen Strömung CCR in der neuen antikapitalistischen Partei und schreibt außerdem Beiträge für das Nachrichtenportal Révolution Permanente, was die Schwesterseite ist von Klasse gegen Klasse in Deutschland. So zum Aufbau ein bisschen, wir werden jetzt einen Input haben von ca. 30 Minuten und haben dann danach noch genug Zeit für Fragen, für Diskussionen und ja, alles, was ihr wissen wollt von unserer Genossin aus Frankreich. Ich würde sagen, wir fangen schon gleich an. Du hast vergessen. Dann würde ich das Wort gleich weitergeben. Ja. Ok. Bonsoir à tous. Voilà, il va présenter, donc je parle de mon issue. Donc ce soir, en fait, l'idée c'était de discuter en fait sur la mobilisation donc en France qui a lieu depuis plus de 4 mois maintenant. Guten Abend alle zusammen, ich stelle mich nochmal vor, Marc hat mich ja vorgestellt. Heute möchte ich ein bisschen euch erzählen über die Bewegung gegen das Arbeitsgesetz in Frankreich, die schon seit 4 Monaten dauert. En fait, la loi travail, en quoi ça consiste et comment on pourrait l'expliquer? C'est à peu près l'équivalent en fait de la réforme Hartz des années Schröder en fait en Allemagne. Was ist das Arbeitsgesetz? Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit den Hartz-Reformen von Gerhard Schröder, Anfang der Nullerjahre und mit der Agenda 2010. Donc c'est une réforme néolibérale du marché du travail qui remet en cause en fait le caractère national du code du travail. Es ist eine Reform des Arbeitsgesetzes, die die nationale Tragweite des Arbeitsgesetzes in Frage stellt und eine neoliberale Reform. Avec cette réforme en fait dorénavant, enfin si elle passait, à la fois le temps de travail et les rémunérations en fait seraient décidés entreprise par entreprise, les salariés contre le patron. Wenn dieses Gesetz durchgeht, wird die Arbeitszeit nicht mehr über dieses landesweite Gesetz festgelegt, sondern in jedem einzelnen Betrieb zwischen den Beschäftigten und dem Bossen. Concrètement, ça consiste en fait à une remise en cause du temps de travail hebdomadaire de 35 heures et à des baisses de rémunération. Es geht darum, die 35-Stunden-Woche auszuhöhlen und die Löhne zu senken. Et des facilités licenciées. Und Kündigungen sollen erleichtert werden. Donc déjà pour vous présenter le mouvement, on peut essayer d'en distinguer trois étapes. Um die Bewegung zu beschreiben, unterscheide ich jetzt drei Etappen. Avant toute chose, une généralité. Donc c'est une mobilisation qui a jamais été, c'est plus jamais vu en fait dans sa longueur depuis le mouvement de 1995. So eine lange Bewegung gab es nicht mehr seit 1996 in Frankreich. Et l'originalité de ce mouvement, c'est qu'il a combiné à la fois un mouvement de la jeunesse, mais aussi la mise en scène de la classe ouvrière avec ses méthodes que sont la grève et les piquets. Und das Besondere an dieser Bewegung ist, dass es von der Jugend ausging, aber auch immer mit der Arbeiterklasse verbunden war, mit den Methoden des Streiks und der Streiks auch vor den Versammlungen, vor den Betrieben. Donc la première étape du mouvement, comme je vous disais, ça serait la mise en scène en fait de la jeunesse. Zunächst begann alles mit der Jugend, die auf die Bühne des Kampfes kam. Donc la contestation contre la loi travail, elle est partie des universités. Die Ablehnung gegen das Arbeitsgesetz ging von den Universitäten aus. En particulier là où il y avait des équipes militantes déjà constituées et combatives. Und vor allem da, wo es schon Gruppen mit Erfahrung aus den Kämpfen der letzten Jahre gab. Donc c'est la première fois depuis 2006 qu'il y a eu des assemblées générales avec plusieurs centaines d'étudiants dans les facs. Es war das erste Mal seit 2006, dass es studentische Vollversammlungen in den Universitäten gab. Avec un soutien bien que minoritaire en fait, mais de certains personnels enseignants.
eigentlich eine Minderheit zunächst, und aber mit einer Unterstützung des Wehrpersonals teilweise. Und dans les lycées également, il y a une forte mobilisation. Auch in den höheren Schulen gab es eine große Mobilisierung. Avec notamment la méthode des lycéens qui est le blocus en fait, qui consiste à bloquer le lycée pour éviter les entrées. Und vor allem mit der Methode des Blocus, das sind Blockaden vor Schulen, um zu verhindern, dass die anderen Schülerinnen in die Schule kommen, vor allem mit Mülltonnen. Il faut savoir que si le mouvement lycéen, notamment à Paris, il a pu être aussi important, c'est que les deux dernières années, il y a eu en fait des équipes militantes qui se sont constituées lors des mouvements contre les expulsions de lycéens sans papier. Und gerade in den Schulen gab es eine gewisse Kampferfahrung, weil sich Gruppen gebildet hatten, die gegen Abschiebungen ihrer Mitschülerinnen gekämpft haben. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de cette mobilisation, c'est qu'il y a une nouvelle génération militante d'extrême gauche qui est en train de se constituer. Was man sagen kann, es gibt eine neue Generation der Linken, der jungen Linken, die aktiv wird und Politik macht. Avec une limite importante tout de même, c'est qu'au sein de cette jeunesse, c'est essentiellement la jeunesse étudiante et les lycées des centres-villes, ou plutôt de classe moyenne, qui sont les plus représentés. Eine Beschränkung, die Bewegung beschränkt sich meist auf die Universitäten und bei den Schulen nur in den Städten und nicht in den Vororten, wo die Jugendlichen am meisten vom Rassismus betroffen sind. Et du coup, en fait, le mouvement de la jeunesse s'est un peu éteint à partir du mois d'avril, avec la pression bien sûr des examens pour les étudiants et pour les lycéens. Im April hat dann die Bewegung ein bisschen abgenommen wegen Abschlussprüfungen in den Schulen und Universitäten. Donc, la deuxième étape du mouvement, ça a été la mise en place de Nuit debout. Die zweite Etappe der Bewegung war dann die Bewegung der Nuit debout, was so viel heißt wie aufrechte Nacht. Donc, ce Nuit debout, c'est un mouvement d'occupation qui est parti de la place de la République à Paris. C'est une Platzbesetzungsbewegung, qui am Platz der Republik in Paris begonnen hat. Et qui s'est étendue en fait à d'autres villes de province à partir d'une mobilisation qui avait eu lieu le 31 mars et qui avait eu plusieurs centaines de milliers de personnes environ. Eine Bewegung, die sich auf andere Städte in Frankreich ausgeweitet hat, vor allem von der großen Demo aus vom 31. März. Donc ce qui est très intéressant en fait à partir de Nuit debout, c'est quoi? C'est qu'il y a des centaines de personnes qui tous les jours se retrouvent pour parler politique, pour discuter. Et ça, c'est un nouveau climat en fait, un nouveau lieu de politisation qui s'est mis en place. Ja, was ist das Besondere daran? Bei der Nuit debout diskutieren jeden Tag hunderte von Menschen auf dem Platz über Politik, und das hat eine ganz neue politische Atmosphäre und Politisierung der Menschen, zu einer Politisierung der Menschen geführt. Und grâce à Nuit debout aussi, les médias se sont intéressés à la contestation contre la loi travail. Und wegen der Nuit debout haben dann auch die Medien mal angefangen, sich für die Bewegung gegen das Arbeitsgesetz zu interessieren. On y a entendu depuis très longtemps en fait un discours anticapitaliste, voire et anti-système. Dort gab es vor allem einen antikapitalistischen und antisystemen Diskurs. On avait parfois l'impression d'être à la veille de mai 68. Manchmal hatte man das Gefühl, dass man im Mai 1968 mit den Slogans. Donc les principales revendications de Nuit debout, c'est des revendications démocratiques contre l'état d'urgence et contre le caractère autoritaire en fait du gouvernement. Es ging vor allem gegen den autoritären Charakter der Regierung und der Militarisierung des öffentlichen Lebens. Pourtant, il y a plusieurs limites aussi à Nuit debout. Aber es gibt auch einige Schranken der Nuit debout. Avec une composition sociale qui est assez peu représentative en fait de la classe ouvrière dans son ensemble. Die soziale Zusammensetzung ist nicht repräsentativ, weil die Arbeiterklasse fehlt. Et aussi un démocratisme exacerbé qui a fait que ça a rendu très difficile en fait d'organiser la lutte à partir de la place de la République. Und eine sozusagen übertriebene Demokratie, die verhindert hat, den Kampf vom Platz der Republik aus zu organisieren. Donc pourtant, un des points forts de Nuit debout, c'est que ça a assuré justement la continuité entre ce mouvement étudiant qu'on voit ici, ce mouvement de jeunesse, et ensuite l'entrée des travailleurs, entre anciens des travailleurs. La continuité entre le mouvement de la jeunesse et l'intérêt de Nuit debout, ça a été aussi d'assurer cette continuité entre la fin du mouvement de la jeunesse et l'entrée du mouvement des travailleurs. Die Nuit debout war wie so ein Bindeglied zwischen der Jugendbewegung und der Arbeiterbewegung, die dann folgte. Donc j'en viens à la troisième étape qui est arrivée à partir du mois de mai. Jetzt geht es die dritte Etappe, die Anfang Mai begann. Qui a été l'action
La mise en action de la classe ouvrière. Die Arbeiterklasse ist auf die Bühne des Kampfes, in die Bühne des Kampfes erschienen. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça a été en fait l'attitude ultra autoritaire du gouvernement qui a voulu imposer sa loi au Parlement, qui a en fait déclenché ce mouvement des travailleurs. Es war das krass autoritäre Vorgehen der Regierung, die das Arbeitsgesetz ohne Abstimmung im Parlament durchbringen wollten, die heftigen Proteste der Arbeiter ausgelöst haben. Donc il y a eu un appel de la CGT, qui est la première centrale syndicale en France, qui est proche du Parti communiste, à partir du mois de mai, pour lancer un mouvement de grève très fort. Es gab einen Streikaufruf der CGT, größte Gewerkschaftsverband in Frankreich, der sehr eng an die kommunistische Partei angelehnt ist. Et surtout dans des secteurs stratégiques. Vor allem im Streikaufruf in strategischen Sektoren. Donc dans les raffineries. In den Raffinerien. Chez les routiers. Bei den Lastkraftwagenfahrern. Chez les travailleurs du port. Bei den Hafenarbeiterinnen. Et dans les ferroviaires. Und im Schienenverkehr. Et les éboueurs. Und bei der Müllabfuhr. Donc ces trois secteurs clés que sont le pétrole, le transport et les déchets. Die drei wichtigsten Sektoren, die Müllverarbeitung. Avec ces. Les deux autres secteurs. Le transport et les déchets. Transportsektor und Müllsektor. Voilà. Donc en quoi on peut voir que ça a eu un impact très fort, pour donner quelques exemples. Das hatte starke Auswirkungen. Okay. Aber ich bin... Donc par exemple pendant deux semaines en France, il n'y a eu plus aucune production en fait d'essence. Et des régions ont frôlé la pénurie. Zwei Wochen lang gab es keine Benzinproduktion mehr in Frankreich, was fast zu einer Knappheit geführt hat. Et le deuxième exemple, c'est à la veille justement du lancement de l'Euro de football dans les rues de Paris. À la veille de l'Euro de football, en fait, dans les rues de Paris, on voyait s'accumuler les poubelles, qui était aussi une démonstration de force. Das ist nochmal die Knappheit, die Benzinknappheit. Also da Orange ist, wo die Tankstellen Probleme haben, genügend Benzin bereitzustellen. Und am Vortag der EM gab es Szenen in Paris, vor allem auf den Müllbergen, und alles hat gestunken und die Hotelgäste wollten eigentlich Leute empfangen, also Touristen empfangen. Hier sieht man die Müllberge. Donc voilà, donc face en fait à ce mouvement de grève très dur, en réponse, le gouvernement a vraiment eu peur et a lui-même en fait attaqué extrêmement durement la classe ouvrière. Wegen der großen Weite der Streiks hatte die Regierung richtig Angst und hat deswegen sehr hart diese Streiks angegriffen. Donc par exemple, il a envoyé la police pour débloquer des piquets de grève. Sie haben die Polizei geschickt, um die Betriebsblockaden gewaltsam aufzulösen. Au niveau médiatique aussi, il a plusieurs fois comparé en fait les grévistes et par la suite les manifestants à des terroristes. Die Medien haben dann die Streikenden oft mit Terroristen verglichen. Et en dépit en fait de cette grosse manipulation, cette grosse pression médiatique, il restait toujours 70% des Français qui étaient opposés à la loi travail. Und trotz dieser negativen Propaganda in den Medien sind immer noch 70% der französischen Bevölkerung gegen das Arbeitsgesetz. Donc sur le rôle de la CGT. Über die Rolle der CGT. Donc la CGT a une posture très radicale en fait qui a été affichée dans les médias. Die CGT war in den Medien sehr radikal präsentiert worden. Il revendiquait le retrait de la loi travail. Sie forderte die vollständige Rücknahme des Arbeitsgesetzes. Mais en vérité, dans les faits, on peut voir qu'il n'a pas vraiment voulu affronter jusqu'au bout le gouvernement. Aber eigentlich hat die CGT nie wirklich gewollt, die Regierung zu konfrontieren. D'abord pour sa stratégie en fait d'appel à des grèves dans différents secteurs, mais successivement, jamais en même temps. Zunächst wegen des Streiksaufrufs zu einem wichtigen Sektor, aber nicht zur gleichen Zeit, sondern nacheinander. Ensuite parce qu'elle a déclaré la CGT qu'elle ne voulait pas perturber l'euro. Auch weil sie erklärt hat, dass sie die EM nicht ins Wanken bringen möchte. Alors que c'était quand même une opportunité politique importante pour faire une pression sur le gouvernement. Obwohl es eine gute Gelegenheit gewesen wäre, den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Donc encore à cette période, en fait, il y a localement des mouvements de grève qui perdurent, mais généralement, en fait, la CGT a appelé à rentrer dans le rang. Jetzt gibt es noch ein paar Streiks, aber eigentlich hat die CGT wieder dazu aufgerufen, weiterzuarbeiten. C'est donc davantage l'expression d'une combativité en fait de la base, d'une colère de la base,
qu'une réelle volonté des directions syndicales et de la CGT. C'est davantage l'expression du fait que les grèves se prolongent d'une combativité de la base, d'une colère de la base, que d'un choix politique de la direction syndicale. Ach so, ja, dass die Streiks weitergehen, ist eher der Kampfmoral der Basis geschuldet als ein. C'est en gros, s'il y a des grèves qui se perdurent, c'est plus l'expression en fait de la base que de la volonté de la direction syndicale, de la politique. Ja, also wenn jetzt noch die paar Streiks es gibt, die fortdauern, dann ist es nicht, weil die Gewerkschaftsführung das wollen, sondern wegen der Kampfmoral der Basis. Donc aujourd'hui, si la contestation contre la loi de travail elle se maintient, c'est moins par la grève, et les grèves reconductibles en fait que dans des manifestations. Jetzt drückt sich die Ablehnung des Arbeitsgesetzes weniger durch die Streiks aus, sondern durch die Organisation von riesigen Demonstrationen. Par exemple, le 14 juin dernier, il y avait plus d'un million de personnes dans les rues à Paris. Am 14. Juni waren zum Beispiel über 1 Million Menschen in Paris auf der Straße. Et aujourd'hui, alors que le gouvernement a tout fait pour que personne ne manifeste, il y a quand même eu une manifestation en dépit d'un climat de répression extrêmement fort. Und heute, wo die Regierung eigentlich die Demonstration in Paris verbieten wollte, musste sie trotzdem stattfinden und viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Donc quel bilan en fait on peut tirer du mouvement contre la loi travail en France? Welche Bilanz kann man aus der Bewegung gegen das Arbeitsgesetz in Frankreich ziehen? Donc déjà il y a un mouvement de fond en fait qui a contesté les violences policières. Ça c'est la première chose. Le rôle de la police et le rôle de l'État. Erstens gibt es eine allgemeine Stimmung gegen die Polizei und gegen die Repression der Regierung. Donc il faut savoir que l'utilisation de la violence et de la répression, elle a franchi un nouveau cap en France ces derniers mois. Die Gewalt der Polizei hat ein neues Niveau in den letzten Monaten in Frankreich erreicht. Le gouvernement a non seulement été très très violent dans les discours, mais aussi à travers la police. Die Regierung war nicht nur gewaltsam in ihren Reden, sondern auch tatsächlich auf der Straße. Donc il assimile les manifestants à des terroristes, à des casseurs, ça je l'ai déjà dit, mais il utilise aussi des moyens de guerre quasiment en fait, dans les manifestations. Sie bezeichnet die Demonstrierenden als Terroristen und verwendet deshalb auch wirklich Kriegswaffen, wie wir hier auch sehen können. Donc avec des gaz lacrymogènes jusqu'à l'étouffement. Tränengaseinsatz, bis man immer atmen kann. Avec des grenades, des canons à eau. Granaten, Wasserwerfer. Et bien sûr, le passage à tabac des militants. Und natürlich das Verhauen der Demonstrierenden mit Schlagstöcken. Depuis le début du mouvement, il y a eu plusieurs cas de blessés graves, notamment un étudiant qui a perdu son œil. Es gab mehrere schwer verletzte Menschen. Zum Beispiel hat ein Student sein Augenlicht verloren. Et un journaliste qui est tombé dans le coma. Und ein anderer, der ins Koma geschlagen wurde. On dirait que le gouvernement cherche à faire un mort. Man könnte fast sagen, dass die Regierung einen Toten sehen möchte. Donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est jusqu'à la mobilisation contre la loi travail, le discours anti-police et anti-État, il était extrêmement limité en fait aux banlieues, aux personnes qui sont victimes de racisme et de harcèlement policier quotidien. Aber diese Anti-Polizei-Stimmung war vor allem auf diejenigen Viertel Teile der Gesellschaft beschränkt in den Vororten, die eh schon am meisten von Rassismus und Polizei und von Polizeibelästigung betroffen sind. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le discours anti-police, il est repris par une bonne partie des manifestants, des classes moyennes et du peuple de gauche. Und jetzt ist dieser Diskurs verallgemeinert worden und findet bei den Demonstrierenden statt und bei dem sogenannten linken Volk, also so linken Leute allgemein sozusagen. Les électeurs de François. Ja, also le peuple de gauche, die Wählerinnen von Hollande. Et un des slogans qui a émergé pendant cette mobilisation, c'est par exemple tout le monde déteste la police. Ça vient d'ailleurs d'Allemagne. Und das hat sich auch in einem Slogan ausgedrückt. Alle hassen die Polizei, tout le monde déteste la police. Und das kommt aus Deutschland mit zum Beispiel ganz Berlin hasst die Polizei. Oder ich weiß nicht, die ganze Welt. Oder die ganze Welt hasst die Polizei. Aber ich kenne es mit den Städten. Sans le savoir, on est internationaliste. Sans le savoir, on est internationaliste. Ja, ohne es zu wollen und zu wissen, sind sie internationalistisch. Donc ça, c'est une évolution assez importante, en fait, parce qu'il faut savoir qu'en novembre 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo, c'était justement ce peuple de gauche qui applaudissait en fait la police. Es ist ganz wichtig zu wissen, weil genau diese linken Leute, es waren nämlich
im Januar 2015 bei den Anschlägen zu Charlie Hebdo, die der Polizei applaudiert haben und es gut fanden, dass sie was gemacht hat. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui manifestent contre Hollande et son et sa loi. Und jetzt sind es dieselben, die gegen Hollande und sein Gesetz demonstrieren. Donc, deuxième élément de bilan, c'est il y a eu un vrai effondrement en fait du Parti Socialiste. Zweite zweite Feststellung der Bilanz, die sozialistische Partei hat ihre Glaubwürdigkeit komplett verloren. Donc il y a une impopularité record avec un autre slogan qui émerge dans les manifestations, c'est tout le monde déteste le Parti Socialiste. Und jetzt kam, also sie ist so unpopulär wie noch nie die Regierung, und jetzt kam noch der zweite Slogan dazu, die ganze Welt hasst Hollande. Donc par exemple, c'est... PS. Oh. Yes. Par exemple, c'est tous ces électeurs de gauche qui ont animé Nuit Debout. Pardon, ces électeurs du Parti Socialiste qui ont aussi participé à l'animation de Nuit Debout. Und das waren auch die Wählerinnen der sozialistischen Partei, die dann auch bei Nuit Debout teilgenommen haben. Et face à la contestation et à son impopularité, le gouvernement a clairement choisi de faire un tournant autoritaire. Und trotz der ganzen oder wegen der ganzen Ablehnung zu dem Arbeitsgesetz hat das gab es eine autoritäre Wende im Regime. En France, on compare en fait à Thatcher. Wir vergleichen das mit Thatcher. Donc répression, louange de la police, état d'urgence. Répression. Polizeieinsätze und der Notstand. État d'urgence. Notstand. Et plus récemment, donc dernièrement, la tentative d'interdire la manifestation d'aujourd'hui. Und jetzt die Versuche Demonstrationen zu verbieten, wie heute in Paris. Ça aurait été une première depuis 1972. Das war die erste, das erste Verbot seit 1962. Donc là, il y a vraiment un espace politique qui se dégage à la gauche du PS. Donc il y a un vrai espace politique à occuper. Ah, en jetzt fait, gibt es eine große Lücke, die zu schließen ist, an links von der, den Platz anzunehmen von der PS. Mais pourtant, les partis en fait à la gauche ne sont pas encore audibles ou même crédibles. Aber die übrigen linken Parteien sind nicht wahrnehmbar und auch nicht glaubwürdig. Donc on a déjà pointé par exemple un parti qui s'appelle le Front de Gauche, qui est une rupture avec le PS, avait lui-même voté l'état d'urgence. Die Linksfront, die aus der Linkspartei und der Kommunistischen Partei besteht, hat selbst dem Notstandsgesetz zugestimmt. Et aujourd'hui en fait, il est plus occupé à préparer la prochaine présidentielle que d'organiser la lutte contre la loi travail. Und heute ist diese Front eher damit beschäftigt, die Präsidentschaftswahl zu organisieren, als die Bewegung auf der Straße anzubringen. Sur la question de la CGT. Über die CGT. Donc la vérité en fait, la CGT, c'est qu'elle a, elle a fait s'exprimer la colère des salariés, mais tout en la comprenant. Sie hat den Ärger der Beschäftigten aufgenommen, aber... Also sie hat diesen Ärger, aufgenommen. Alors qu'il y avait un contexte en fait pour proposer, elle n'a jamais proposé clairement la grève générale. Und sie hat nie klar zum einen Vorschlag unterbreitet, den Generalstreik in das Arbeitsgesetz zu machen. Donc à ce stade, est-ce qu'on peut gagner contre la loi travail? Kann man jetzt sagen, dass man gegen das Arbeitsgesetz gewinnen kann? En guise de conclusion, on pourrait dire qu'en fait, ça semble à cette heure assez difficile en fait de pouvoir gagner contre pour le retrait de la loi travail. Momentan scheint es sehr schwierig, das Arbeitsgesetz zu verhindern. En ce moment, donc en l'absence de grève, malgré les fortes mobilisations, il y a un été qui arrive et le gouvernement a tout fait pour que le mouvement ne se poursuive pas cet été. Obwohl jetzt die Streiks abnehmen, gibt es große Demonstrationen, aber die Regierung tut alles dafür, dass sich diese Demonstrationen bis zum Sommer, dass sie abnehmen, dass sie ihre Kraft verlieren. Et à l'heure actuelle, le scénario le plus probable, en fait, c'est tout simplement que la CGT fasse des amendements au texte. Et c'est tout. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die CGT bestimmten Anpassungen beim Gesetzestext zustimmen wird. Und das wird alles sein. Et donc, on obtient pas le retrait. Und sie wird nicht die Rücknahme des Gesetzentwurfs erhalten. Donc cependant, l'esprit, il n'est pas à la défaite. Aber die Stimmung ist nicht nach einer Niederlage. C'est pas pour faire de la propagande, mais même dans les milieux les plus réformistes, on dit aujourd'hui en France, ça fait du bien de voir que la classe ouvrière existe. In den reformistischen Sektoren hört man, ja, die Arbeiterklasse gibt es ja wirklich noch. Und es ist gut, dass es sie gibt. Donc ça, c'est cette démonstration de force, en fait, qui a redonné le moral. Und dieses, diese
die Rückkehr der Arbeiterklasse hat der Linken auch eine gewisse Moral wiedergegeben. Und dans la suite, il y a beaucoup de secteurs justement qui se sont mis en mouvement. Es gibt jetzt viele Sektoren, die jetzt in Bewegung sind. Et il est fort possible justement qu'à la suite de cette mobilisation dans les prochaines années s'ouvre en fait en France un nouveau cycle de lutte en général. Und dass jetzt diese neue Bewegung dazu führt, dass es in den nächsten Jahren weitere Kämpfe geben wird. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a une nouvelle génération de militants. Ich habe vorhin gesagt, dass es eine neue Generation von Aktivistinnen gibt. Mais ce qui a été important aussi pour construire cette mobilisation dans les facs, mais aussi sur les lieux de travail, c'est clairement le fait qu'il était déjà présent des secteurs en fait militants et organisés dans des organisations. Was wichtig war vor allem in der Jugendbewegung ist, dass es schon Aktivistinnen gab und schon Strukturen gab, auf die man aufbauen konnte. Dans notre courant, nous ça nous a permis en fait au gré des différentes luttes d'avoir des liens avec des travailleurs et de construire avec eux la mobilisation. Uns als Strömung hat es geholfen, die Verbindung mit den ArbeiterInnen herzustellen und mit ihnen gemeinsam zu kämpfen. Ça a permis d'organiser des sections qui sont entrées en grève avant que la CGT en fasse l'appel, par exemple. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass es Teile gab, die gestreikt haben, noch bevor die CGT zum Streik aufgerufen hat. Par exemple, chez les cheminots, donc dans le rail. Zum Beispiel bei den Eisenbahnern auf der Schiene. Et c'est ça qui en fait a fait la pression sur la CGT pour lancer un appel. Und das hat dann den Druck auf die CGT erhöht, einen Streikaufruf rauszuhauen. Donc ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, à la fois par le caractère stratégique en fait du mouvement ouvrier. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a en fait ce qui a été fort en fait dans ce mouvement, c'est la mise en grève hein, des secteurs les plus stratégiques en fait du monde du travail. Was besonders wichtig war, ist, dass besonders wichtige strategische Sektoren in den Streik getreten sind. Et son alliance justement avec le mouvement de la jeunesse. Und dass sie sich verbunden haben mit der Jugendbewegung. Pour organiser ça, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain au moment de la mobilisation. Und sowas macht man nicht, also entsteht nicht von heute auf morgen. Ce sont des liens en fait qui sont mis en place depuis plusieurs années, de lutte en lutte. Sind Verbindungen, die für dieses Jahr brauchen, um sie aufzubauen. Et on peut espérer en fait que dans les prochaines années, ces liens vont se renforcer. Und wir hoffen, dass sich in den nächsten Jahren diese Verbindungen noch verstärken und verbessern werden. Pour préparer les prochaines batailles et qui sait gagner. Um die nächsten Schlachten auszutragen und sie dann zu gewinnen. Voilà. Merci d'avoir été. Danke.